Si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre, qu'est-ce que tu en ferais? Moi, je danserais comme si personne ne regardait. J'aimerais comme si je ne pouvais pas être blessé. Je chanterais comme si personne n'écoutait. Je serais plus présent et j'aurais le courage de vivre ma meilleure vie. Certains écrivent l'histoire, d'autres la vivent. Mais la meilleure façon de l'écrire, c'est de la vivre pleinement, jusqu'à la dernière seconde. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui s'est occupée de personnes en fin de vie. Elle a répertorié 5 regrets que ces gens avaient avant de mourir. Et il y en a 3 qui ont particulièrement résonné avec moi. Le premier, j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le voulais, et non pas la vie qu'on attendait de moi. Le deuxième, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Et le troisième, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Le problème, c'est que tu penses que t'as le temps. Tu ne l'as pas. Le temps est gratuit, mais il n'a pas de prix. Et tu ne peux pas le garder. Tu peux uniquement l'utiliser. Et une fois que tu l'as perdu à jamais. C'était quand la dernière fois que tu t'es levé en réalisant qu'aujourd'hui pouvait être le plus beau jour de ta vie? Demain n'existe pas. Alors si le plus beau jour de ta vie, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand? Notre temps est limité. Alors ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne sais jamais quand c'est la dernière fois, parce que c'est toujours la dernière fois. Et c'est toujours la première fois. Chaque moment est unique. Chaque moment naît et meurt dans ce moment. Un jour, il n'y aura plus de prochaine fois. Pas de temps mort et pas de seconde chance. C'est tout le temps maintenant ou jamais. Chaque instant de la vie est précieux. Même ceux que tu n'aimes pas. Car un jour, il y aura une dernière fois. Une dernière conversation. Une dernière promenade, un dernier sourire, une dernière larme.